The black trunks weighing in at 10 stone, 3 pounds, 9 ounces. Bringing a 20-fight record, 15 wins, 3 inside the scheduled distance, and just 5 defeats. Challenge for the European Union's Welterweight Championship, and the winner of the Midland Area Welterweight title, ladies and gentlemen, from Telford, England, Mark Lloyd. And across the ring, fighting out of the blue corner, wearing the red trunks trimmed with white. Eric Bucard qui est dans le ring avec Jean Bédard. 18 contests, 18 wins, 12 inside the scheduled distance. He comes to the ring as the reigning IBF Intercontinental Light Welterweight Champion and the former undefeated Canadian Super Featherweight Champion. Ladies and gentlemen, welcome the fighting pride of Quebec City. Hello! Bonne réception, Pierre-Olivier Côté, bien sûr, des gens du Québec. Brian Heath now, referee in charge of the action from Birmingham, is Mr. Terry O'Connor. On dirait que le full britannique n'a pas l'air d'avoir une grosse confiance en Mark Lloyd. Non, c'est pas, oui. Ils n'ont pas vraiment... C'est pas une vedette montante, de toute évidence. Alors, les instructions du... Est-ce que je remarquais dans la fiche de Lloyd, c'est qu'il a fait des combats en 2010... considérablement. 157, 158, 154. Ça, c'était 2010. Alors, c'est parti. On est au centre du ring. Pierre-Olivier Côté, dès le départ, il va aller de quelques jabs, a tenté un crochet de la droite au corps qui a été paré, contré par son adversaire, Mark Lloyd. Le jab de Côté, la réplique de Lloyd, mais sans grande conséquence, c'est Côté qui rentre à l'intérieur, les deux hommes sont encore à corps. Les combats que tu parles, Jacques, c'est contre des adversaires, comme je te dis, qui avaient 14 victoires, 62 défaites, okay. Et 7 victoires et 23 défaites. Donc, je pense qu'il a donné un petit avantage de poids à ces gars-là. Toujours, on se jauge entre Pierre-Olivier Côté et Mark Lloyd. Qu'est-ce que j'aime de Pierre-Olivier maintenant? Il veut impressionner. Oh, beaucoup au corps, tu la belle droite au corps. Oui, encore une fois, il a tenté le corps. Puis il cherche des belles coups, il ne garoche pas pour rien. Ça, c'est important. Il a appris de le dernier combat contre Terron. Il ne garoche pas pour rien. Oh, beau jab. Encore une fois. Le jab. Et la droite au corps, c'était très bien placé. Le jab encore. On voit qu'il peut travailler son jab, Pierre-Olivier, ce soir. Je pense que François Duguay souhaite qu'il fasse des rounds ce soir. François Duguay est en entraîneur de Pierre-Olivier Coir. Encore une fois, la droite au corps. Et on est encore à corps jusque dans les cadres. Quand tu affrontes un gars chez eux, si tu es capable de le sortir le plus vite possible, tu as l'opportunité de le faire, tu le ferais. C'est pour, tu ne peux pas prendre une chance dans la ville de l'autre. Encore une fois, la belle droite. Ouais, ça, le corps et la tête. Et il revient avec un moulinet de la gauche qui a frôlé la main droite qui a touché à la tête. Et là, de plus en plus accroche Pierre-Olivier Côté parce que peut-être qu'il se rend compte que ça va être une soirée difficile. Là, voici qu'il lance des jabs. Il a lancé une belle main droite, mais qui a été parée par Pierre-Olivier Côté, qui revient avec un crochet de gauche qui a été sans conséquence. Lloyd, il penche beaucoup pour éviter les coups de Pierre-Olivier Côté. Côté, il faut qu'il solutionne ça en commençant à lancer des uppercuts qui vont passer entre les deux gants. Parce que tu vois, Lloyd, il penche toujours vers l'avant, toujours vers l'avant. Donc, tu vois, la tentative d'uppercut de la droite, mais qui n'a pas touché. Reste trentaine de secondes dans ce premier round d'un combat prévu pour vite. Le jab de... Oh, la belle main droite en descendant qui a touché Mark Lloyd. On est au corps à corps au centre du ring. L'arbitre demande le bris. Très rapide. Beau boxeur, Pierre-Olivier Côté. Encore une fois, a visé la droite au corps. Ça a été partiellement contré. Et là, la main droite a touché à la tête, le crochet de la droite. Très concentré, Pierre-Olivier Côté. On est au milieu du ring, comme vous pouvez le constater. On n'utilise pas beaucoup d'espace. On se regarde. Encore une fois, le jab et l'empoignade. C'est la fin de ce round.
Et je vais en profiter pour saluer les auditeurs du réseau Cogeco à travers le Québec, incluant le 98.5 à Montréal, bien sûr, qui sont à l'écoute avec nous pour ce combat de Pierre-Olivier Côté, puis ils seront avec nous un petit peu plus tard pour le combat de Lucien Boutet. Très bonne première ronde de la part de Pierre-Olivier Côté, bien boxé derrière le jab, des bons coups au corps, bien placé la main droite au corps, et il a même tenté la main droite. Ta main droite, ne va pas la porter fort au corps parce que tu, je ne veux pas que tu sois trop proche puis tu finisses avec un seul coup. Jab, pas trop. La droite, tu fais juste la fin au corps. François Duguay qui donne des instructions. Ça va pas trop te coller dessus. Ça va pas, pap, tu vas finir en haut. Right? Mais il ne faut pas que tu sois trop proche. Si tu forces trop ta main droite, ça ne passera pas. Je lui demande de ne pas être trop proche, de ne pas être trop près. Ça, c'est le coup au corps ici. Ouais. Et là, maintenant, Duguay veut qu'il finisse avec le crochet au corps. La même combinaison avec quoi qu'il avait knocké Theron à sa dernière présence. D'aller au corps avec la droite et revenir avec le crochet à tête. On repart pour ce deuxième round. Dès le départ, Pierre-Olivier Côté, très agressif, a tenté le crochet de la droite. Il est revenu au corps, revient avec des jabs, la droite à la tête. Et là, il a augmenté le rythme dès le départ, Pierre-Olivier Côté. On revient au centre du ring après que l'arbitre lui demandé le bris. Lloyd, combinaison des deux mains, au corps et à la tête, mais ça a été bien contré par Pierre-Olivier Côté. Dans son jab, la réplique de Lloyd sans conséquence. Le jab, encore une fois, de Pierre-Olivier Côté. À chaque fois que Olivier lance quelque chose, Lloyd, il se penche vers l'avant. Il faut que Pierre-Olivier fasse une petite tentative de faire semblant, une feinte, d'envoyer un coup et après ça, lancer l'uppercut. Et c'est ce qu'il vient de faire, là. Exactement. Ouais. Après avoir lancé un crochet de gauche. Bon, le corps à corps, il y a beaucoup de corps à corps dans ce combat-là. Là, on s'est séparés sans que l'arbitre le demande. Lloyd revient avec des jabs, mais qui n'ont aucune conséquence, qui ne dérange absolument pas Pierre-Olivier Côté. Bien placer une main droite en descendant parce qu'il a tendance à baisser beaucoup, Lloyd, comme tu l'expliquais tantôt. On est au corps à corps, l'arbitre va séparer les deux belligérants. Les Moulinets, des deux hommes qui fendaient, mais là, Pierre-Olivier Côté a touché à l'oreille. Il vise beaucoup la tête et Lloyd passe en dessous de ces coups de poing-là. Fait que s'il veut passer, laisse-les passer en dessous d'un coup de poing, mais l'autre, il faut que ça revienne par en dessous. On est au corps à corps, au milieu du ring. L'arbitre demande le bris. Une minute, 10 secondes à faire dans ce deuxième round. C'est ça c'est l'heure. Oh, trois coups de la droite au corps et à la tête. Ça, c'est les uppercuts que Pierre, il faut qu'il continue à lancer. Parce que Mais là, Lloyd passe des uppercuts dans le corps à corps. Attention, la main droite. La main de Lloyd qui réussit à passer des uppercuts. L'arbitre les sépare. 50 secondes à faire dans le deuxième round. Oh, bon jab. Et là, il y a eu une main gauche, une main droite. La main droite, les deux mains, ça va, les deux mains. Et là, Mark Lloyd s'est fait faire mal, recule avec le sourire. Et là, encore une fois, c'est la main droite qui a touché en plein visage. Maintenant, c'est les deux mains de Pierre-Olivier Côté. Ça, c'est oui, belle uppercut de la main droite. Encore une fois, Pierre-Olivier. L'uppercut, puis peut-être après, il peut faire le suivi avec le crochet de gauche. Mais là, il ne semble pas se décourager, revenu avec quelques jabs, accroche beaucoup. On s'en va vers la fin de ce deuxième round. On se regarde, et c'est encore une fois, je pense, indéniablement un round pour Pierre-Olivier Côté. Oui, ça va, très l'énergie. Bien, et très bien boxé, surtout avec l'uppercut. Il a vraiment trouvé le cible avec ça. Exactement planifié derrière le jab et il a passé l'uppercut à 2-3 reprises au corps et à tête. Très bonne ronde pour Pierre-Olivier Côté. Est-ce qu'on va dans le coin de Pierre-Olivier? Oui. Apparemment que oui. Good job, le gros. Oui, arrête de forcer tous tes coups de poing, OK? Si tu cherches juste à la tête, tu vas perdre beaucoup d'énergie. Fait que continue d'être un petit peu plus vivant que tes jambes maintenant. Ton jab, puis je veux que tu déplaces juste un petit peu plus en angle pour le faire perdre ses jambes. Il n'est pas capable de tuer sur tes jambes. Fait que tu vas travailler juste un petit peu plus en angle. Puis on va le counter-puncher quand il va perdre l'équilibre avec ses jambes. All right? François Duquet, qui est un bon entraîneur, installé à Québec, bien sûr. Puis c'est un des gars les plus drôles sur la planète. Et on voit aussi Sébastien Bouchard, boxeur professionnel, qui est très proche de Pierre-Olivier Côté aussi.
début du troisième round. On se retrouve dans le centre du ring et encore une fois, c'est l'échange des jabs. Mais là, Lloyd semble vouloir être plus agressif, semble vouloir peut-être prendre des chances. Là, il vient de placer un beau jab, Lloyd, mais la réplique est immédiate de la part de côté des deux mains. Oui, mais tu vois, encore manqué parce qu'il a passé dans le beurre parce que Lloyd il a penché vers l'avant. Côté, il faut qu'il soit conscient de ça. Il faut qu'il... faut qu'il en profite. Exact. On se regarde. Tentative de jab. Et la main droite qui a passé au-dessus de l'épaule. Parce que Lloyd était baissé. Au lieu de... Pierre-Olivier Côté devrait penser, au lieu de frapper où la tête est, mais frapper où la tête va être. Oui. Parce qu'il y a une tendance. Exactement. Il y a une tendance. Exactement. Là. Alors, on se regarde dans le milieu du ring. 2 minutes à faire dans ce troisième round. Et une chose qu'on n'a pas vue encore, puis j'ai hâte de le voir, c'est le crochet gauche au corps de la part de Côté. Là, il y a beaucoup de bousculades, enfin, d'empoignades entre les deux boxeurs. Je pense que Lloyd, c'est peut-être la seule façon qu'il a de durer dans ce combat-là. On est très proches l'un de l'autre. Lloyd lance des jabs qui n'ont pas de conséquences. La réplique de Pierre-Olivier Côté, on revient vers le centre du ring, des jabs, mais qui ne touchent pas vraiment Lloyd. Qui lui lance des jabs qui ne touchent pas du tout Côté. Oh, beau jab! C'était bien placé, ça, par Pierre-Olivier Côté. Les deux hommes s'accrochent encore. L'empoignade séparée par l'arbitre. Côté qui lance un jab au corps. Lloyd... Il lance le sien maintenant. Lloyd démontre quand même une bonne défensive et un instinct de sauter. Il a placé un beau jab, là, Lloyd. Oui. Un très beau jab qui a touché Côté. Qui tente de répliquer avec le crochet de droite, mais n'a pas touché. C'est la gauche. Oh! La droite a passé cette fois-ci. Et Lloyd fait un clin d'œil à son entraîneur dans le coin. Donc, il n'a pas fait mal. 50 secondes dans ce round. Le jab. Pierre-Olivier Côté. Une chose, c'est que Lloyd n'est pas capable d'avoir le respect de Pierre-Olivier Côté. Il n'a pas la force de frappe nécessaire. Lloyd sourit, semble s'amuser malgré tout. Semble que c'est un dur, c'est un gars résistant, de toute évidence. Deux beaux jabs placés par Pierre-Olivier Côté. Encore une fois, c'est l'empoignade. La prise de tête par Pierre-Olivier Côté. Je protège à l'intérieur. Le jab de Pierre-Olivier Côté. Comme je te dis, Jacques, j'ai pas vu le crochet gauche au corps. J'aimerais le voir un peu plus. Le coup est là. Lloyd, il protège beaucoup sa tête, mais le corps, les attaques au corps sont là. On a vu la droite rentrer, mais on n'a pas vu le crochet au corps encore. Là, il y a eu un moulinet là, de la main droite qui a fendu l'air. Le retour, encore une fois, Pierre-Olivier Côté a tenté un jab et ça s'est... un round où il y a eu moins de coups précis que lors des rounds précédents. Oui, mais... moins de précision de la part de PO. Mais j'ai quand même donné le round parce qu'il était agressif, mais c'est pas... Il n'y a pas une ronde impressionnante de vraiment dominer. Et maintenant, il devrait être à le point de dominer Lloyd et de le faire mal. Il aurait dû maintenant solutionner le style de Lloyd. Il penche beaucoup. Il devrait savoir. Il est là tout le temps. L'uppercut est là, les coups au corps sont là. On veut que tu travailles plus au corps aussi. Ah, tu vois? Le jab, il t'a entendu. La droite au corps, continue à travailler en bas aussi. Ça va super bien. On s'en va au centre. Fourth round. Petit grand François Duguay. Ça va super bien. Ça, c'est le jab. Il y a un beau jab, une belle main droite. Mais tu vois, Lloyd, il roule avec le cou et là, il passe par en dessous. Donc, il faut que tu penses. C'est ça. Là, le uppercut par en dessous de la gauche aurait été parfait au lieu du jab. Et c'est reparti pour un quatrième round entre Pierre-Olivier Côté et Mark Lloyd. Pierre-Olivier se porte à l'attaque dès le début. Lance des jabs. Main droite qui ne touche pas. Belle main droite. Mais Lloyd a encaissé, a roulé avec le cou, s'est appuyé dans les câbles, revient vers le centre du ring. Et c'est Pierre-Olivier là, qui mène l'action. Les jabs, deux, trois petits jabs de Lloyd qui ne touche pas. Là, les deux jabs se sont croisés, se sont touchés. Un beau petit crochet de la gauche. C'était presque un uppercut de la part de Pierre-Olivier Côté qui a touché Mark Lloyd. Mais il n'y avait pas assez de puissance pour faire du dommage. Là, il y a eu encore une fois cette main droite au corps portée par Pierre-Olivier Côté. Les deux hommes s'accrochent au centre du ring. L'arbitre les sépare. On revient. On s'observe. Le petit jab.
Là, il y a eu un uppercut à droite. Mais il était très proche. Et Lloyd retenait Pierre-Olivier Côté. Apu est quand même en contrôle. Là, c'était beau, puis c'était bien placé, ça. Encore une fois, de corps à corps. L'arbitre demande le bris. On est à mi-chemin dans ce quatrième round. Lloyd Pierre-Olivier, encore un uppercut. Lloyd, il fait ça, mais tu vois, Pierre-Olivier, il place sa main en dessous tout le temps et ça donne l'opportunité à Lloyd de l'accrocher. Il faut qu'il arrête de donner sa main gauche en dessous de le bras droit de Lloyd. Là, l'arbitre qui avertit les deux boxeurs, en quelque sorte. Encore une fois, c'est le corps à corps, les deux hommes. Moi, ce que je crains, là, c'est le coup de tête parce que Lloyd rentre de plus en plus frénétiquement là, vers Pierre-Olivier Côté. Un coup de tête accidentel, on s'entend. Beau jab, mais il n'a pas touché. C'était vif, mais... Mark Lloyd qui recule, se déplace. Oh, il y a eu une belle main droite lancée par Pierre-Olivier Côté. Il n'a pas vraiment fait de dommage, mais il a touché cette fois-ci. C'est un moulinet qui a fendu l'air. On l'a eu, là, le crochet au corps, crochet de gauche au corps. Mais manquait de puissance. Pierre-Olivier qui danse. Il vient de prendre deux jabs et vient d'en envoyer un. Pierre-Olivier a placé un beau jab en pleine poire. Allez, encore une fois, Lloyd se fait toucher. Pierre-Olivier, très mobile. C'est rare qu'on voit Pierre-Olivier manque autant de points qu'il manque. Mais là, il vient d'en placer une bonne. Oui, il a placé une, mais ouais, il passe dans le bar souvent. Ouais. Lloyd est très habile à éviter puis à rouler en dessous des coups. Il se protège très bien. Il n'y a pas grand-chose en offensive, mais défensivement, il se protège très bien. Je pense que c'est peut-être, comme je te disais, moi, j'ai l'impression que c'est ça qu'on voulait pour Pierre-Olivier Côté. Quatrième round terminé. On voulait un combat pour Pierre-Olivier Côté. On voulait pas un knock-out trop facile. On voulait lui faire des rounds. C'est ce qu'un gars comme Lloyd lui fait faire ce soir. Oui, mais comme qu'on a vu, Lloyd, il fait beaucoup de choses. On est capable de prévoir qu'est-ce qu'il va faire. Il aurait dû solutionner maintenant avec les uppercuts. On va juste mettre tes jambes un petit peu plus rapides. Si tu forces pas tes coups de poing, là, tes jambes ils vont suivre facilement. Si tu forces, tu vas t'en trouver trop collé sur lui. Tu comprends? On s'en va dans le vestiaire. Pierre Bouchard, le deuxième homme de coin, il prépare les gants de Lucien Bouté. Pierre Bouchard, et on voit Alain Delorme derrière dans le préparateur physique. Tu me ferais penser tantôt de t'expliquer une histoire par rapport à les gants que j'ai eus de Jean-Luc Legendre de RDS. Il m'a conté une petite histoire qui est arrivée. Je te conterai ça tantôt. Il y a eu une controverse ce matin, là, une petite controverse. Ouais, c'est ça. Sur les gants. Ah, la boxe! Cinquième round. Un combat prévu pour 8. On se retrouve au milieu du ring. Pierre-Olivier Côté, Mark Lloyd ici à Nottingham en Angleterre. Pierre-Olivier qui... sonne la charge dès le début du round. Oh! 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 Quel uppercut de la main droite! Et là, Lloyd a vu les étoiles de la boxe. Quel coup! Est-il ébranlé? Je pense qu'il doit avoir les jambes molles. Pierre-Olivier pourra-t-il le finir? Tente encore une fois avec sa droite. Mais là, Lloyd, tout de suite, s'est jeté dans les bras de Pierre-Olivier Côté. Décidément. Crochet uppercut est là. Le crochet uppercut est là. Pareil comment il a causé le chute au tapis. Le crochet, mais même pas pour toucher. Crochet pour qu'il passe en dessous. Oui. Puis après ça, passe l'uppercut. Là, c'est bien passé un beau jab, Pierre-Olivier, qui a touché un beau jab. Là. L'uppercut est là encore. Il a tenté le crochet de la gauche. Et là, on s'accroche encore. L'arbitre demande la séparation. Pierre-Olivier, on entend le public qui crie à pou, évidemment, ce sont les Québécois qui sont ici. Peut-être quelques Roumains encore, qui se joignent à eux. Excuse-moi, Georges. Dans ce correct, vas-y. Oui, il a essayé là encore, l'uppercut, ça a juste manqué le site. La main droite qui a touché cette fois-ci Mark Lloyd. On est encore à corps. C'est un combat où l'arbitre a de l'ouvrage. Pierre-Olivier qui jab, qui danse encore, bien placé encore au corps deux fois. Ça l'a fait mal, il a baissé son bras. Oui, oui. C'était à la main droite, au corps. Mais là, il devra avoir le suivi avec la gauche. Pierre-Olivier qui danse, qui se déplace.
Je ne sais pas si c'est la présence de Sugar Ray Leonard qui l'inspire. Pierre-Olivier qui a les gants très hauts maintenant près du visage. C'est Mark Lloyd qui lance des coups. Oh! Il vient de l'attraper. Et Lloyd. Crochet de gauche. Lloyd est au tapis. Écoute. Ça s'est passé tellement vite, Ross. Il était branlé et il va pencher. Il fait qu'il veut le lancer un peu court parce que Lloyd va pencher tout de suite. Ça va être automatique. Il reste 30 secondes dans ce round. Est-ce qu'il pourra le terminer? Il a eu deux chutes au tapis dans ce round pour Mark Lloyd. Et là, j'avais. Oh oui, encore une fois, ça, c'est la crochet droite. Et là, la droite. Trois droites et maintenant le crochet droite. Deux. Et là, l'arbitre décide de mettre fin au combat. Mark Lloyd était littéralement assis dans les câbles. Il y a eu trois crochets droites. Les uppercuts. Oui, le uppercut, c'est ensuite trois crochets droites. Et là, c'est une bonne décision parce que là, Lloyd prenait de plus en plus de coups. Et là, il était assis dans les câbles. Oui, oui. T'sais, on aurait pu considérer ça comme une chute au plancher parce que les câbles le retenaient. Oui. Fait que tu aurais pu considérer ça comme un chute au plancher. Alors donc, victoire par arrêt de l'arbitre, un TKO pour Pierre-Olivier Côté, qui a eu une belle soirée de travail. Moi, je pense que c'est un combat pour travailler ensuite avec l'entraîneur. Pour... Timekeeper Brian Heath has recorded a time of 2 minutes and 45 seconds of the fifth round. Referee Terry O'Connor has stopped this contest with Lloyd in no position to continue. Your winner and remains undefeated from Quebec City, Canada, Pierre-Olivier Côté. Pierre-Olivier Côté, une belle victoire pour lui. C'est donc une 19e victoire pour Pierre-Olivier Côté, une 13e par KO. Et il est toujours invaincu. Et on dit que c'est un jeune boxeur. C'est vrai, 27 ans, c'est jeune. Mais pour un boxeur, il faut que ça commence à s'accélérer à 27 ans maintenant, les choses. Oui, mais 27 ans, oui, mais jeune en carrière de boxeur. C'est vrai. Carrière de boxeur, il développe bien. Et il faut qu'il continue à se développer. C'est très, très important pour lui de se développer comme du monde. J'ai vu quelques petites faiblesses ici par rapport à son boxe à l'intérieur. Et toi, tu as besoin de ça pour le niveau mondial. Là. Tous les grands boxeurs sont capables.